Salut à tous. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour la Fuji Box, c'est trop cool. Oui, on va tout manger. C'est une box qui est faite par E-Tech Box ou Hi-Tech selon les gens qui disent. Moi je dis E-Tech parce que je suis un vrai Français. C'est des produits japonais qui nous viennent directement du Japon. On se cache les yeux à tour de rôle. On déguste à l'aveugle et on doit deviner ce qu'il y a dedans. Shifumi. Shifumi. Bah tiens, on a gagné. J'ai gagné, je commence. Ok. Non, c'est parti, ferme ta gueule. Vous m'avez manqué, ça fait super longtemps que j'ai pas tourné, donc je suis contente d'être là. Mon dieu, ça va être bon ça. Tu as lavé les mains au moins. Bien sûr que non. Oh, ça sent le caramel chocolat. Ça me rappelle un truc. C'est au chocolat. C'est pas au chocolat. C'est caramel. Oui, et c'est quoi? C'est comme des nuages soufflés au caramel. C'est caramel corn, donc c'est comme le popcorn en fait. C'est du maïs au caramel. Et c'est super bon. Par contre, ça sent le café vraiment. Vous avez raison. Ah oui, ça sent le café, ouais. C'est bizarre. Oui, je retire mes patounes parce que j'ai chaud, mais elles sont vraiment très mignonnes. T'as l'air mignon. Ah, souvent quand c'est mignon, c'est dégueulasse. Non. Ah, ça pue. Non, mais ça a l'air bon, ça a l'air bon. Ah, ça pue la mort quand même. Ça a l'air bon. Ouais, c'est des gâteaux apéro japonais là. On dirait des curly quoi. Il y a un goût particulier ou pas? Non, c'est pas marqué sur le machin. C'est aux crevettes? Ouais, c'est pas marqué. C'est au bonhomme. Ouais, des gâteaux au bonhomme. Voilà. Wow. Ça sent encore un sweet maker, c'est un truc à fabriquer plus tard. Ah oui. Moi je veux un truc pas bon pour changer, j'en ai marre de manger des trucs bons. Oh la vache. C'est épicé. Ouais, je pense. Oh non. Ouvre la bouche. Bah c'est super bon. C'est au curry. Merde. Ah bah c'est au curry. C'est pas du tout épicé. Non, ça sent le truc qui pique et ça pique pas du tout. Très bon. Vive le Japon. Grave que oui. Oh, c'est trop bon. C'est trop mignon. Le parfum, je crois savoir ce que c'est par rapport à l'image, mais je suis pas sûre. Il y a une toute petite odeur, ça. Oh la vache. Quoi? Il y a pas un cul. Oh merde, si. Quoi? Il y a un cul. Non, c'est pas un insecte. Ah si, il y a un cul. C'est quoi? Il y a un cul de quoi? Non mais sérieusement. Croque. Oh la vache. Ah, j'aime pas du tout. Côté vert, c'est dégueulasse. C'est ça. J'aime pas le thé vert. C'est ça, c'est au thé vert. C'est quoi comme gâteau? Ah, il y a un cul. On a rien de dégueu. Moi, je veux un truc bien dégueu là, du calamar séché. Il y a deux types de trucs. Donc, penche la bouche. Penche la bouche en arrière. Extasie. Attends. Oh non, ça pétille. Ah, ça pétille, ouais, génial. Bah, on sent pas vraiment le goût, je sens surtout que ça pétille après le goût. Au raisin. Au raisin? C'est aux fruits rouges. Raisin. Non, raisin. Et en plus, c'est violet. Ah, vous entendez? Et ils entendent. Oh putain, ça m'a pété la dent. Ça fait paf dans ma dent. Ouh, j'ai une forme là. Waouh. Céphalique. Ouais. Oui. La forme est vachement sympa. C'est marrant qu'ils fassent des bonbons comme ça. C'est énorme. C'est le bout qui s'est cassé. C'est pas du chocolat. C'est quoi? Putain, c'est bizarre. J'ai l'impression de me faire violer la bouche. Faisons nous violer la bouche. Ah, c'est la fraise. Oui, c'est comme un cornet de glace en fait, mais dedans il n'y a pas de gâteau. C'est chocolat blanc. C'est une sorte de. C'est pas bon du tout, de on est d'accord. Dure. C'est très laiteux. C'est une sorte de pâte dure, vachement laiteuse. Oui, c'est ça. À la fraise. C'est un arôme. Il y a une meuf avec des gros tétés. Donc en fait, je retire ce que je dis, c'est super bon. C'est vachement bon. Tu m'expliques un peu ce que c'est ou genre tu me laisses à la dérive? J'aimerais bien t'expliquer. Vas-y, goûte. Moi je mange un demi parce que je vais laisser aux autres. Ouais. Non mais ça me rappelle quelque chose. Pense à ce que tu fais tout le temps. L'amour. Encore pire que l'amour. Le cuir. L'amour, le cuir. Tu comprends mon montage ça. Ah non. Tu fais tout le temps là. La gueule. La gueule non. La gueuse. Gueule. Oui. Et donc quand tu fais la gueule tu Deux. Oui. Boude. Bouddha. Mais boudoir. Ah ouais. C'est un poki. C'est pas un poki? Non, c'est une tige. Pourquoi ils nous vendent des tiges? Bon d'accord, j'ouvre les yeux, y'a rien à deviner. Bah non, là pour le coup c'était ça. Ah c'est comme des poki en fait. Ah c'est mignon. It's cute. Very cute. Ah. Ouais. Un truc bien dégueu. Ouais. C'est un truc cool. Ouais. Oh la vache. Oh putain, ça sent la pâté pour chat. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Fais goûter. Ah ça colle au doigt. Oh! Ça se casse même pas. Ah la vache.
Prends-moi ça. Mais c'est dégueulasse. Mettez-le dans votre bouche. Essayez, c'est vraiment bien. Au début, ça va. Au début, tu dis ça va. C'est comme un premier coup au lit. J'ai l'impression que c'est une espèce de plante. C'est de l'algue. Il y a Chabinori. Non, on dirait du un genre de comme du navet ou un truc comme ça. Oh non, c'est de la triche. Sérieux? C'est trop de la triche. Genre c'est asiat ça. Mais t'as grave de la chance. Mais quoi, pourquoi? Putain. Oh, mais... putain, rentre la gueule. Mais t'as ouvert la bouche, cran. Arrête, tu m'excites. Allez. C'est au goût fumé. Ouais, un peu. Barbecue. Ouvre la bouche. Croque. Par rapport à ce qu'il y a sur le paquet, je crois ce que c'est, mais je sens pas du tout le goût. Bah... Non? Rien. Rien du tout. Alors apparemment, ce serait cochon. Ah là, bon où, ouais. On avait ça dedans aussi, c'est un petit œuf. Est-ce que tu veux l'ouvrir? Ouais. Pour voir ce que c'est, et le scotch. Bah moi, je vais galérer à l'ouvrir. Il s'est cassé déjà. Merci Sandar. Oh. 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 C'est trop mignon. Et ça me fait penser à Monstres et Compagnie. Oh. 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 J'ai peur. Oh, je peux le voir. S'il te plaît. Le petit jouet, c'est... Oh non, il y en avait un rose. Ouais, c'est le personnage de Disney. Oh non, il y en a... Oh non, il y avait Stitch. Il y avait Stitch. Il y avait vraiment Stitch. Oh, elle aurait pu voir Stitch. Elle est dégoûtée. Elle est... J'adore, elle est dégoûtée. Je suis dégoûtée. Arrête de crier. J'en veux plus. Mais ça, c'est le mec de Monstres et Compagnie, ça. Ouais, c'est j'en ai rien à foutre. Moi, je voulais Stitch. C'est trop bien, Monstres et Compagnie. Moi, je voulais Stitch. Alors, les Pringles, tiens, ils ont vu ce que c'était. Salade de pommes de terre fumée. Ok. Donc, Pringles, c'est la salade de pommes de terre fumée. T'as foutu de l'eau partout en plus. Ah, les trucs là, c'était des bretzel. Non, pas ça. Si, ça. Bretzel remplace traditionnel Pocky. Dans la Fuji Box, le chocolat en été, ça fond. Les bretzels sont très bons, sont au miel et au beurre. What the fuck, miel, beurre? La glace dégueulasse. Là. Biscuit sucré en forme de glace vous propose un parfum fraise en imitant le goût de la glace. Oh. Imitant le goût de la glace. Ça a pas vraiment le goût de glace, hein, c'est... Moi, je vais t'imiter le goût de la glace, tu vas voir. Ça, c'est une gaufrette au matcha. Donc, ouais, le matcha, c'est du thé vert, normalement. C'est au thé vert matcha, c'est ça. Donc, voilà. Ah, le premier truc qu'on a bouffé, c'était le caramel popcorn. C'est... Ça, c'est vraiment mon truc préféré. Un snack sucré salé à base de maïs caramélisé avec une saveur café brésilien. C'est pour ça. Oh. J'ai envie de te dire... Hein. Hey, Ou mayonnaise. Mayonnaise. Attends, redonne-en. Non. Non, clairement, non. Ah ça, les trucs qui pétillent. Ce sont des bonbons acidulés au raisin. Ils sont agrémentés de sucre pétillant. Raisin, quoi, ouais. Ah bah, je... J'aurais dit fruits rouges. Le truc dégueulasse. Ce snack est à base de poisson et de calamar. La sauce soja et au wasabi. La brochette. C'est un gâteau populaire au Japon fait de sucre, de farine et d'œufs. Ici, c'est sous forme de brochette. Eh, oui, vous entendez? Du maïbo, poulet, curry. Et l'autre, c'est plat japonais à base de porc pané et frit. Ah, bien. Ça m'a pété sur la joue. C'était bien. Franchement, c'était pas mal. Franchement, c'était bien. On est tombé sur... allez. Surtout qu'on a pas eu Stitch, juste. Ouais, franchement, rien que pour ça, un gros pouce rouge, les gars. Vraiment. C'est quoi ce que t'as préféré? Bouffer. Franchement, les trucs pétillants, j'adore ça. Moi, c'est ça. Sans déconner, c'est ça. C'est super. C'est bon, mais les trucs pétillants, c'est... Je suis gamine, quoi. Les sucres qui pétillent dans la bouche, c'est... J'adore le café, nous. Les trucs que j'ai détesté, par contre, c'est... Le truc dégueu, là. Ouais, tout dégueu, mais ça, c'est normal. C'est normal. Et ça, moi, c'est ça, ouais.